actions de transformation des entreprises sont-elles payantes? Pour le savoir, nous allons à la rencontre d'entreprises qui se sont lancées il y a quelques années pour vérifier si oui ou non l'industrie du futur, ça marche. Dirk De Vos, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de Textilose. Absolument. Et votre métier, c'est le papier. Absolument. Dites-nous en plus. Alors, notre entreprise, c'est une entreprise qui a déjà un long historique et qui a été fondée et qui est animée par des passionnés du matériau qui s'appelle papier. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un matériau banal. On peut lui faire faire plein de choses. Et notre métier, c'est de savoir transformer un papier banal dans des applications technologiques. Votre leitmotiv, c'est le papier intelligent. Clever paper for smart people. On l'a mis en anglais parce qu'on est européen. 60% de notre activité se fait à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on a pris notre devise en anglais. Et en bon français? C'est du papier intelligent pour des gens intelligents. En 2013, l'entreprise anticipait une progression forte de son activité et elle avait besoin de lancer des actions pour supporter cela. Tout à fait. Vous êtes arrivé à ce moment-là? En fait, le patron et propriétaire de l'entreprise, Pascal Servet, m'a appelé à ce moment-là pour l'accompagner, l'aider à comment changer le fonctionnement de l'entreprise pour qu'elle puisse pleinement devenir une usine service avec des produits innovants. Parce que il sentait bien que face à ses concurrents qui sont beaucoup plus grands sur un certain nombre de produits, il pouvait pas concurrencer sur le simple ressort du prix, mais qu'il fallait travailler sur le service. Et comme c'est une industrie où industriellement l'approvisionnement est un cycle très très long, et lui, ses carnets de commandes étaient de l'ordre de 15 jours avec des délais d'approvisionnement de 3 mois pour les fabrications à façon que nous demandions, il fonctionnait avec 6 ou 700 tonnes de papier en stock. Et donc, une de ses questions, c'est comment je fais pour être usine service, c'est-à-dire être capable en 8 jours de livrer tous mes clients en Europe sans avoir 600 tonnes de papier en stock. Un bel enjeu, un beau. C'était l'idée de base. Un beau défi. Absolument. Et alors, pour être en mesure de faire cela, vous avez suivi une démarche structurée. Racontez-nous. C'est une démarche structurée qui prend comme ressort la responsabilisation des individus. C'est-à-dire, plus les individus sont responsables, plus ils sont capables de se comporter de manière autonome et d'ajuster leur façon de faire, les process, ce qu'ils mettent en œuvre, de manière rapide par rapport aux conditions qui changent. Quand on a une usine-service, il faut pouvoir livrer rapidement, donc changer la production en fonction des commandes qui tombent, surtout quand on a 15 jours d'horizon de commande. Et donc, au lieu de... Dans beaucoup d'entreprises, on appelle ça du juste à temps, mais en réalité, quand on regarde, c'est un peu du chaos maîtrisé. Ça fait mal aux gens, ça les fait souffrir, et on a tous les mauvais échos sur le juste à temps. Parce que on est sur un fonctionnement descendant de l'organisation, et si on veut être réactif, il faut que les gens prennent l'initiative pour ajuster ce qu'ils font, ce qu'ils vont produire, ce qu'ils vont mettre en production. C'est à leur niveau que ça doit se passer, sans que ça passe par le patron. Donc l'agilité vient par la responsabilisation. Exactement, des individus. À tous les niveaux de l'entreprise. Donnez-nous des exemples de choses qui ont été mises en œuvre pour ça. Pour cela, par exemple, je vais vous prendre les travaux de maintenance. Tout le cycle de travaux de maintenance, soit courant, soit stratégique, nous n'intervenons plus du tout. Pascal Servet ou moi-même, tout ça s'est décidé entre les opérateurs, la responsable financière, la responsable de production, pour voir en fonction de disponibilité de trésorerie, en termes de charges de travail des machines et de ça, etc., pour organiser, structurer tous les travaux de maintenance. Au début de l'année, on fixe un budget, une enveloppe, plus qu'un budget, parce que ça reste très souple, et ils se débrouillent, sauf quand ils sont coincés, ils nous appellent en disant, voilà, on a 2 options, on a difficulté pour arbitrer, c'est tout. Mais sinon, on ne les voit pas. On passe d'une organisation où on a une obligation de moyens, à une organisation et une obligation de résultat. Ça fait peur au début aux gens parce qu'ils pensent ne pas pouvoir y arriver. Et alors du coup, vous disiez la culture de résultat, ouais, plutôt que de moyens. Justement, pour résultat, c'est quoi? Les résultats, c'est qu'on a doublé la productivité et les gens travaillent moins. On n'a plus d'accidents de travail, on n'a plus de problèmes de liés aux postures parce qu'on a dit, voilà,
on cherche un doublement de productivité, mais que vous puissiez travailler moins et que vous ne vous fatiguiez pas. Donc, si vous pensez comment le faire, vous ne savez pas très bien, on va vous donner une idée. On mettra en rapport avec la médecine du travail, on va les faire venir. Et c'est les ouvriers, vous allez travailler avec la médecine du travail. Donc, la médecine du travail est venue faire, est fait venir des ergonomes, etc. Et ils ont optimisé les postes de travail. On n'est pas intervenu. On a juste signé le chèque. C'est ceux qui exploitent, qui trouvent les solutions. Absolument. Avec les spécialistes. C'est ceux qui font, qui sont le mieux placés pour apprécier la pertinence et les lacunes de toute solution, parce qu'une solution ne met fin à tous les problèmes. Il y a toujours des choses à faire. Parce que de toute façon, on viendra vous voir quand même. Tout à fait. En 2016, quand on l'a interrogé, Pascal Servais, le dirigeant de l'entreprise, disait ceci. Les gens prennent des galettes de 30 kilos ou 35 kilos pour les bouger. Ils le font. Un jeune de 20 ans aujourd'hui, on ne va pas lui demander de faire ça pendant 7 heures. Donc, il va falloir trouver les adaptations de l'atelier qui vont permettre aux jeunes qui ont 20 ans ou 25 ans aujourd'hui de s'épanouir dans notre atelier. La personne qui est d'ici, qui a du boulot chez moi, elle ne va pas partir dans 6 mois ou dans un an, une fois que je l'aurai formée, parce qu'elle a trouvé du boulot tout près de chez elle, d'une part. Et puis d'autre part, ça fait partie pour moi du rôle social des entreprises. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine ? En fait, alors tout simplement, il a tout simplement pu mesurer que quand on responsabilise des gens, 95% des gens aiment ça. Parce que quand on responsabilise quelqu'un, il a le sens de son travail. Il a de l'autonomie pour intervenir sur ce travail, comment il le fait, comment il le structure. Par exemple, dans l'entreprise, il n'y a pas de pause. Tout le monde prend les pauses quand il veut. C'est-à-dire, une fois qu'il a lancé sa machine, on sait qu'une machine peut tourner pendant 20 minutes, il peut parfaitement prendre sa pause. Il peut le faire 3 fois par jour, 4 fois par jour, ça ne gêne absolument pas. Ils savent les... Parce que une fois de plus, on n'a pas fixé des objectifs au 10e près. On a des couloirs d'objectifs, de qualité, de productivité, de ponctualité. Et les gens, ils cherchent à se conformer à ça. Et ils ont de la latitude pour y arriver. La notion d'amélioration continue, c'est quelque chose qui forcément est dans votre quotidien ? Bah, ça va forcément avec des gens qui sont responsables. Quelqu'un qui est responsable, il n'accepte pas quand ça marche pas. Et donc, il va mobiliser son intelligence, son expérience pour trouver des astuces, comment améliorer de manière occasionnelle ou de manière structurelle. Donc, quand vous créez une culture de responsabilité individuelle, vous avez des gens qui n'acceptent pas de faire du travail médiocre. D'accord ? Vous cultivez de la fierté. Et ils cherchent en permanence à rester là-dedans. Extrêmement clair. Textilose a mis la responsabilisation de ses employés au centre de son organisation et ça lui réussit. Merci beaucoup, Dirk De Vos. Avec plaisir.